Arkas Sanat Merkezi olarak Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile işbirliği yaparak hazırladığımız üç denizin arasında 17. yüzyıldan 19. yüzyıla Osmanlı ve Fransız Boğaz haritaları sergisinde Fransız ve Osmanlı haritacı uzmanları tarafından yapılmış haritalar mercek altına alınıyor. Bu sergi için çok önemli kurumlardan haritalar ilk kez bir araya getirilerek gün ışığına çıkarıldı ve Arkas Sanat Merkezi'nde sergileniyor. Bu kurumlar arasında Fransa'dan Fransa Ulusal Kütüphanesi, Fransa Ulusal Arşivleri, Fransa Askeri Arşivleri, Türkiye'den ise Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve çeşitli özel koleksiyonlardan haritalar İzmir'de Arkas Sanat Merkezi'ne getirildi. Bu haritalar hakikaten Osmanlı ve Fransa ülkeleri arasındaki işbirliğini, yüzyıllara dayanan işbirliğini ortaya koyması açısından çok enteresan. Fransa harita uzmanları özellikle 17. yüzyılın başından itibaren harita yapımında çok etkin hale geliyorlar ve bu topraklara, bizlerin bulunduğu topraklara da gelerek çeşitli inceleme gezileri yapıyorlar ve bu kıymetli haritaları hazırlıyorlar. Aynı zamanda bu harita uzmanları o dönemde Osmanlı'nın ordusunun yenileşme döneminde kurulan mühendishane ve mektebi harbi okullarında da hocalık yapmışlar. Böylelikle Türkiye'de de harita biliminin uygulanmasına öncülük etmişler diyebiliriz. Sergi içerisinde haritalar kendi içlerinde gruplanarak Osmanlı ve Fransız haritacıların aynı bölgeye ait yaptıkları haritalar yan yana sergilenerek ziyaretçilere de karşılaştırmalı bir bakış açısı sunuluyor. Arkas Sanat Merkezi pazartesi günleri haricinde her gün saat 18'e kadar, perşembe günleri ise saat 20'ye kadar açık. Ziyaretçilerimiz buradaki bu güzel haritaları ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. Ici, nous avons une exposition de documents originaux qui viennent des archives françaises, de différentes archives, de la Bibliothèque nationale de France, des archives nationales et des archives de la Défense. Et nous avons 19 documents originaux. Et ensuite, nous avons des cartes imprimées, donc qui viennent également soit de France, soit de différentes institutions en Turquie. Donc dans cette exposition, nous allons montrer comment toutes les étapes de la fabrication d'une carte, parce que c'est très important. Souvent, les gens voient la carte finie, mais en fait, il y a tout un travail derrière, donc de relevés de terrain, de notes, de croquis. Et dans ces documents que nous avons trouvés dans des archives, nous avons montré toutes les étapes de construction d'une carte. Voilà. Donc, il y a à la fois des documents originaux sur papier et nous allons montrer aussi 3 diaporamas. Donc, dans cette exposition, nous allons suivre un cheminement. D'abord, à l'entrée de l'exposition, nous avons des cartes qui montrent l'environnement pour situer la région de Marmara. Des cartes qui sont sur la mer Égée et l'est de la Méditerranée, et des cartes assez anciennes avec des vieux atlas. Ensuite, nous avons une première salle des Dardanelles, nous avons à la fois des documents de travail et des plans finis. Ensuite, nous passons au Bosphore, nous avons tout un tas d'originaux et une très grande carte qui est au sol, qui est une reproduction de cartes manuscrites d'élèves d'une école d'ingénieurs ottomans. Ensuite, nous avons une petite salle d'ateliers de cartographie pour expliquer comment les cartes étaient fabriquées à l'époque. Ensuite, à l'étage, nous avons toute une salle consacrée à la recherche de cités antiques et spécialement sur la ville de Troyes. et la façon dont on fabriquait des cartes pour montrer cette recherche. Et ensuite, nous avons deux salles sur les fortifications, une du Bosphore, une des Dardanelles, avec des originaux très anciens. Nous avons 4 cartes qui ont plus de 350 ans, les premières représentations, ainsi que à côté des fortifications, on voit les premiers cadastres des villes, comme Çanakkale. Ensuite, nous avons une salle générale sur la mer de Marmara, et la cartographie, l'évolution de la cartographie de l'ensemble de la mer de Marmara et des côtes, et une petite salle sur la guerre de Crimée, qui, à chaque moment de guerre, en fait, la cartographie est très importante pour documenter et préparer les guerres. Et la dernière salle est consacrée aux enfants, donc avec quelques exemples de représentations anciennes et un film qui vient de la télévision française qui explique tout le processus de fabrication des cartes.